Ouh, on est prêt pour la troisième vidéo sur cette série du finger strumming. Et aujourd'hui, j'ai volé une technique à une pauvre chanson sans défense, More Than Words, plus que des mots, du groupe Extreme. En français, extrême. Et on est parti. Comme ceci, ça sonne super bien et un bonus, c'est super facile en plus. Alors, à la base, le pattern est tout simplement ceci. Ce qui va faire sonner bien ce pattern, c'est le fait de changer la basse. Okay? Alors, je vais vous donner un exemple avec un Si add 9. Okay? C'est comme un Sol majeur avec les deux doigts en bas ici. Sauf qu'on va baisser notre majeur et notre index de une corde chacun. Alors. Très, très simple. On n'a qu'à changer un seul doigt. Alors, si on prend l'exemple du Do, Si add 9, du Do add 9, on va piquer. En fait, on va pousser, je devrais dire, la cinquième corde avec le pouce. Et là, au lieu de faire comme ceci, avec, comme dans les précédents patterns, on va tirer comme ceci. J'essaie de bien vous le montrer de côté. Comme ceci, OK? Les deux doigts en même temps. Le troisième doigt sur la petite corde et la majeure sur la deuxième corde. On peut même rajouter l'index sur la corde de sol sur la troisième corde. Alors ça va être pouce, on tire avec les doigts et on slap. Pas plus compliqué que ça. Pouce, tire, slap. Pouce, tire, slap. Juste ce mouvement de base-là, important de le maîtriser comme les précédents. Pouce, tire, slap. Et tout de suite après le slap, on fait le pouce. Vous pourriez remplacer n'importe quel picking de n'importe quelle de vos chansons par celui-ci et ça sonnerait super bien. Ce qui compte vraiment, c'est toujours de respecter la note la plus basse de votre accord. Okay? Donc, si vous êtes sur un sol, on touche la grosse corde. Si vous êtes sur un ré, on touche la corde de ré, la quatrième corde. Si vous êtes sur un do, un la mineur, c'est la cinquième corde qu'on touche en premier. Si vous êtes sur un mi, c'est la grosse corde, d'accord? Donc, juste pour un exemple, si les accords de votre chanson, c'est Sol, Ré, Do et La mineur. Ce qui va faire encore mieux sonner cela, c'est un changement de basse, OK? Donc, on va reprendre notre exemple du Do à 9. On va faire Do à 9, deux fois le pattern. Ensuite, on va enlever notre majeur et on va venir prendre notre index et on va le mettre à la deuxième fret de la cinquième corde. Et on refait le même pattern. Ensuite, on laisse la cinquième corde dans le vide. On refait le même pattern deux fois. Et on vient avec un Sol ici. Troisième fret de la grosse corde. Donc, vous voyez que mes deux doigts ici ne changent jamais. C'est seulement la basse qui change.
peut même piquer toutes les cordes ensemble, c'est-à-dire au début. Donc, pouce, tire, slap. Et au lieu de refaire juste le pouce, je fais le pouce et je tire en même temps. Donc, les quatre doigts en même temps. Je fais un accord avec les quatre doigts en même temps. Donc, le pouce fait la basse et les trois doigts tirent. Tout ça en même temps. Super simple le pattern avec la main droite. On n'a qu'à laisser sonner les notes et on laisse la nature de l'instrument, la nature de la guitare faire le reste. Et évidemment, toutes ces techniques-là, on peut les mixer ensemble. On peut rajouter des coups comme ceci plus fort. Et quand on maîtrise vraiment bien toutes ces petites techniques-là, on peut rajouter des petites variations ici avec nos doigts. On retire un doigt, on en rajoute un, on fait des hammer-ons. Bref, on peut se laisser... Et voilà, à partir de maintenant, vous pouvez ajouter un peu de sensualité à votre finger strumming. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire à l'école en ligne au www.jejouedelaguitare.com. Et surtout... Regardez la prochaine vidéo dans cette série sur le finger strumming et n'oubliez pas de me donner un thumbs up. Juste pour ça, ça vaut la peine.